Mes excuses. Alors, nous ne sommes pas à 3-2, évidemment. Nous sommes à 0-0, hein, bien sûr. New. Il est où le bouton New? New. BO5. Update. Et là, il faut que je switch. Voilà. C'est vrai qu'on voit le CD maintenant. Ça, c'est bien. Alors, ok. Donc Meta qui gagne 1-0 ici et le counter pick de circonstance Dreamland. Ok, ça wallback air ici, l'up tilt, on a voulu jab reset. Ok, wallback air ici, strong nair. Oh, l'up tilt était clutch, le weak fair, excellent. Et on va chercher très très loin ce Fox qui a eu le malheur d'être offstage. Donc ça c'était très dangereux pour Fox, pardon, pour Meta. Beaucoup de pounds. Ok. Oh, les nerfs de défense. Le mur de nerfs. Et ledge guard. De nouveau. Ok, power shield, pas de follow-up encore. Ah, c'est tellement tendu, je n'arrive pas à commenter très bien, je me focus. Le pound, pas de follow-up, ici plateforme tech chaise, on n'a pas voulu tenter le reste, on a quand même un bel avantage du côté. Ouh, on a double jump, c'est dommage. On chope le ledge, très bonne reconnaissance de jeu ici de la part de Real Phasmito. Qui était un petit peu trop agressif sur cette phase là alors que Metarix avait l'invincibilité. Ok, ça dash dance bien, ça a SL de drill, Nair shine ici et l'air dodge, la SD de Puff. Puff qui n'a pas assez de saut visiblement. Le drill, très bon drift, enfin retreat de la part de Meta. Les nerfs hein, qui sont vraiment des stops mis à son adversaire. C'est le coup qui dit t'es trop près, recule. Dommage, on n'a pas crash cancel cette get up attack. Double jump instant, on a reconnu hein, qu'on allait drop à cet endroit là. Et 2 secondes. Ok, du coup, on est sur Pokémon Stadium, évidemment, le counter pick de choix, et on voit à quel point les counter picks sont efficaces, puisque ce sont des games très one-sided. Ok, on bait pas mal, le Real Phasmito ici, l'Upsro Upper, efficace.
Galfas Mito qui malgré tout reste dans la game. Mais beaucoup d'outils qui lui sont enlevés. Le reste, évidemment, qui serait fatal à ce niveau de la partie. Mais bon, c'est pas ce qu'il y a qu'à Galfas Mito. Hein. Les restes, c'est surtout les edgeguards on point. Le Jabri Z peut-être. Oh, bien vu. Très très belle reconnaissance avec ce F-Smash qui est extrêmement trompeur. Qui a des priorités très étonnantes. Oh, le bait, magnifique. Il n'est pas là, du coup je le dis à sa place, mais c'est Neko qui l'a inventé. Nous sommes donc 2 à 1 en faveur de Ubita. Ok, regrab sur la plateforme et évidemment un reste. Une DI impeccable, mais insuffisante à ces pourcentages-là. Heureusement que Phasmito a bien regrab pour pouvoir mettre les pourcentages suffisants. Mais la réponse de Meta a été expéditive également. En fait, ok, le grab, up throw reste direct. On avait gratté suffisamment de pourcentage. Into up tilt up air qui tue à pas à quelques pourcentages près, c'est dommage. Et on s'avance en chargeant un smash. Qu'est-ce que c'est que cette game? Elle ressemble à rien, je suis désolé. En tout cas, Pupbox, une minute dans la game. Il reste, il y a 4 stocks qui ont été prises. Meta qui garde bien le center stage ici, qui chasse le puff, qui monte les pourcentages, qui laser, qui run in up smash. Waouh! Ça a tué évidemment. C'est Fox. Un perso qui a quelques bons moves. Up throw nair, on a monté jusqu'à 35. Oh là là, ce beau changement ici qui met à portée de kill. À l'Upsnash ou à l'Upper. Ok, on se remet en lasering. Et run in up smash. GG! Bien wesh. Meta qui remporte 3-1 face au véritable Phasmito. Belle game. Veryport. Et du coup, on va avoir.